un événement très marquant de nos vies. Seigneur, un moment que nous n'oublierons jamais. Peu importe combien de temps il pourrait encore nous rester. Et nous prions au Dieu qu'en ce dernier soir, nous remarquons dans l'écriture que le dernier jour de la fête, Jésus s'est levé au milieu d'eux. Et il s'est écrié: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je prie Père Céleste que cela se répète de nouveau ce soir. Que nous puissions entendre la voix de notre Seigneur nous appeler. Nous appeler à les servir. À marcher plus près de lui. Nous considérons déjà que nous avons entendu sa voix par l'ouverture de ses seaux qui nous déclare que c'est le dernier jour et que le temps est proche. Accorde ces bénédictions que nous demandons, Père, au nom de Jésus Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Et il dit: vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord commencer par vérifier une chose. Qui aurait aimé être là quand Jésus a lancé cette convocation? Qui aurait aimé être là quand il a dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne? Aya. Qui aurait aimé être là? Ah. Vous savez ce qui s'était passé? Quand lui il a fini de dire cela, parmi les hommes qui l'écoutaient, vous les lirez dans Jean au chapitre 7. Certains ont dit: c'est lui-ci est vraiment un prophète. Les autres ont dit: c'est vraiment lui le Christ. Les autres ont dit: ah, mais est-ce que Christ il pouvait venir de là? Mais l'invitation était là. Moi, je me dis que si j'étais là, j'aurais couru de toutes mes forces. Je l'aurais étreint de toutes mes forces. Je l'aurais adoré en disant: donne-moi ces eaux de vie. Je ne sais pas quelle aurait été votre réaction. Mais laissez-moi vous dire que vous avez la même réaction vis-à-vis de lui maintenant. Vous veniez d'écouter il n'y a pas très longtemps. Vous veniez d'écouter il n'y a pas longtemps les mystères de la continuité de l'esprit. Ça signifie que Jésus-Christ, il continue à aller à l'église. Et il continue toujours à traiter avec son peuple. Et quand vous allez dans Apocalypse 10 où nous venons de lire, on dit un autre ange puissant descend, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête est un arc-en-ciel, son visage est comme le soleil, ses pieds sont comme la colonne de feu. Et les lecteurs de la Bible savent qu'il s'agit là de l'ange de l'alliance. Et cet ange de l'alliance, c'est Christ.
C'est celui-là qui descend et qui pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et qui vient un petit livre ouvert et il lance la même invitation. Prends les livres, mange-le dans ta bouche, il sera doux comme du miel des tabernacles. Et qui avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est le même qui se tient cette fois-ci sous la forme de l'ange de l'alliance avec les petits livres et qui dit prends-le et mange-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez un peu mes bien-aimés. Je vous ai dit que il s'agissait de la fête des tabernacles. Si vous voulez le voir bien, c'est dans Jean où nous avons lu au chapitre 7, mais au verset 2, vous verrez déjà qu'il est fait mention qu'il s'agit de la fête des tabernacles. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Je voudrais que vous reteniez une chose, mes frères. Quand vous allez dans Ecclésiaste au chapitre 1er, du verset 9 au verset 11, les sages disent une chose très capitale que j'aime souvent lire. Il est écrit ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Nous voyons Jésus se tenir au dernier jour de la fête et lancer cette invitation. C'est que cela, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui peut se passer encore aujourd'hui. Je vous ai montré que si vous voulez savoir de quelle fête il était question, c'est dans Jean 7. Il est dit que c'est la fête des tabernacles. Est-ce que vous me suivez bien? N'oubliez pas. La première de fête, c'était la fête des Pâques. La fête de pain sans levain. Dès que la fête de pain sans levain s'est terminée, vous avez la fête de la gerbe agitée. Cette fête. Et frère Branham dit que vous pouvez les lire dans le lieu d'adoration. Je n'aurai pas d'autres citations, d'autres qui vont dans les sens. Je vais lire celui-ci. Écoutez mes bien-aimés. Remarquez, les sept fêtes juives étaient toutes célébrées dans le même lieu.
une par ici pour les catholiques et une pour les protestants. Au type ici, on vient d'étudier les sept âges et il dit Père Koloba, et quand il Polet, tout comme les premiers qui ont découvert, et j'ai sauté quelque chose apparemment. Parce que chaque âge de l'église a produit une partie de la parole. Et la lumière. Tout comme les premiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination. Et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos et de ses dons. Le prophète dit, il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte. Il est Dieu. Maintenant écoutez. Les sept fêtes devaient tout être célébrées. Ces sept lieux, ces sept fêtes de l'année, seul et même lieu. C'était Christ qui parlait dans tous les sept âges de l'église. Les sept fêtes. Un type de cet âge de l'église. C'est cette fête. Un type de cet âge de l'église. Mais ils en ont fait des dénominations. Dans la demeure future. Août 64, au paragraphe 454, Frère Branham fait même cette déclaration. Il dit la fête des tabernacles était la dernière fête, la septième fête. Frère Branham dit, maintenant, nous adorons sous la fête des tabernacles. Ce que nous adorons, et c'est écrit, si quelqu'un, parce que c'était à l'occasion de cette fête-là. Vous me suivez bien? Maintenant, je voudrais faire encore une petite chose. Parce qu'il s'agit de la fête des tabernacles. Est-ce que nous pouvons un tout petit peu rentrer dans l'Ancien Testament pour observer ce qu'était cette fête? Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est écrié et a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des eaux vives couleront de lui jusque dans l'éternité. Nous pouvons que cette déclaration, cette convocation, il l'a faite lors du dernier jour de la fête des tabernacles.
Nous sommes maintenant en train d'adorer sous la fête des tabernacles. Le septième âge de l'église. C'est bien que nous observons pour un petit moment ce que la fête des tabernacles. Parce que j'ai juste un petit rien que je vais dire. C'est des choses que vous connaissez déjà. J'ai entendu les enfants de l'école des dimanches. Ils m'ont mis à l'aise pour prêcher à l'aise. C'est des choses que vous connaissez déjà. Comme dans Lévitique 23. Je vais au verset 34. Parle aux enfants d'Israël. Et dit. En l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Écoutez bien. Pendant cette fête, vous ne faites pas d'œuvre servile. Servile, ça ne renvoie pas à la servitude ou. Servile, ça ne renvoie pas à quelque chose comme ça. Alors, sacrifice consumé par les feux. Non, mais c'est une fête pendant laquelle on offre des sacrifices consumés par les feux. Alléluia. Et vous savez les sacrifices consumés par les feux? Non, là, je veux vous lire le prophète quelque chose. Non, aujourd'hui vous n'irez pas chercher une vache. Non, vous n'irez pas chercher une brebis. C'est vous-même. On est toujours pas à la fête, hein? Allez dans les sermons 30. Il faut que vous naissiez de nouveau. Qui est prêché le 31 décembre 61. Beaucoup de gens ne célèbrent pas cette fête très bien aujourd'hui. Écoutez les prophètes. Au paragraphe 72. Par la foi, nos âmes sont placées sur son autel d'airain. Et tiens, mis le colonne à et notre offrande est consumée. Maintenant, souvenez-vous. Quand Élie, sous ses yeux d'airain, sous les cieux des reins, Baal ne pouvait pas consumer son offrande. Je ne vais pas dire ceci, mais il faut que je le dise. Et que vous acceptez leur credo et leur forme de baptême. Et que vous prétendez de peut-être que vous vous relèverez, vous relèverez tout tremblant, en train de parler en langue, de courir d'un bout à l'autre de la salle. Ou peut-être que vous entendez
a été accepté par Dieu, elle est consumée. Le monde, nous sommes morts et nous sommes cachés. Cela, après que nous sommes morts, ensevelis et cachés en Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Je saute. 76. Donc, votre âme est placée si c'est Dieu accepte le sacre, il ne termine pas. Ne l'avait pas encore reçu. Si vous êtes toujours vivant, c'est voir le Saint-Esprit et qui dit de devoir attendre très longtemps tant que Dieu n'a pas accepté ses sacrifices. Tant que son jugement n'a pas carrément tué vos sens, ce n'est pas ça. Et bien, je sais que j'ai fumé, je vais arrêter de fumer. Là encore, ce n'est pas ça. Tant que Dieu n'a pas reçu ses sacrifices sur son autel des reins, l'autel de son jugement. Quel est son jugement? La mort. C'est la peine. Non, j'ai ouvert juste cette parenthèse hein, pour vous dire que la fête des tabernacles, non seulement qu'on y allait avec le premier élément que nous avons cité, pas d'œuvre servile, mais aussi on devait y amener des sacrifices consumés par les feux. Continuons un peu. Quel autre élément il y avait là? Je suis au verset 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin qu'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque jour au jour fixé. Je saute 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez le produit du pot, le 8e sera un jour de repos. Écoutez, fruits de beaux arbres, des branches de palmiers, votre Dieu, pendant et c'est une fête qui venait après qu'il venait se réjouir devant l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y avait encore pendant cette fête? Pendant cette fête-là, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes. Voilà pourquoi on l'appelle la fête des tabernacles. Alors ils construisaient des tentes et chacun habitait dans une tente.
Vous pouvez le voir dans Deutéronome au chapitre 16, du verset 13 au verset 15. Il y avait des catégories de gens qui étaient exclus. Quand vous prenez la fête de Pâques, on dirait par exemple l'étranger ne la mangera pas. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce qu'était cette fête? C'était une fête où on s'est livré entièrement à la joie. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, qui est la petite chose sur laquelle je vais parler, vous allez remarquer d'abord les dénominations. Mais Kasi, il y avait une fête de tabernacle qui était spéciale. C'est celle qui arrivait 7 ans, tous les 7 ans. Cette fête là avait quelque chose de particulier, et c'est la seule chose sur laquelle je vais m'entretenir avec vous. Cette fête là c'est qu'on ne faisait pas d'autres fêtes des tabernacles, mais qui arrivait à celle-là. À partir du verset 9. Écoutez ce qui est dit. Il est écrit ceci. Fils de Lévi qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et tous les anciens saints. Parce qu'après 7 ans, il y avait un sabbat. Alors il est dit, à l'époque de l'année du relâche, dans les lieux qu'il choisira, écoutez ce qu'on ajoute à cette fête. Tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent. À observer, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Écoutez, et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront. Et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, pour le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé les jours d'elle. C'était la fête des tabernacles, celle qui arrivait après 7 ans, celle-là avait quelque chose de particulier. À cette occasion-là, il fallait que les enfants rejoignent les pères, ils rejoignent leur père enfant, ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils ne connaissaient pas. On devrait leur lire la loi pour leur permettre d'avoir la crainte de l'Éternel.
de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Rappelez-vous, bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'il y a, Dieu l'a déjà montré par les types. Ce qui se passe dans cet âge, Dieu l'a déjà montré à plusieurs endroits dans les types. N'oubliez pas, le prophète nous a dit que nous adorons sous la fête des tabernacles le septième âge. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet âge? Ce qu'il y a de particulier dans cet âge, c'est qu'il fallait que les enfants rejoignent les pères dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tenter d'être bref. Écoutez ce que dit le prophète. Exposé de cet âge de l'église. C'est le chapitre 9, âge de l'église de la Odyssée. Si vous êtes sur le téléphone. C'est la page 319. Vers la fin. Et page 320 au début. Le prophète dit: or, ce messager de Malachie 4 et Apocalypse 10:7 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Qui sont les révélations contenues? Ce sont ces vérités mystères. Ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. La fête des tabernacles. Teke ya mongom. Vous verrez qu'entre une fête et une autre, terminer un cycle de sept. Aussi botangi ya sept. Vous reprenez encore. Osongeli lusus. Et quand vous reprenez sept fois, na tango ba kozongela pona. Là, on doit avoir la lecture de la loi pour que les enfants apprennent à craindre l'Éternel. Alléluia. Loi. Mais ici on parle de vérité mystère. Vous savez, il lui a dit: frère Branham, avec ton ministère ici, avec ton expérience, tu peux écrire une nouvelle Bible. Le prophète lui dit: attention, on ne peut rien y ajouter. C'est quelque
des choses qui est déjà dans la Bible. Ezali eloko esilo kozala kati na Biblia. Mais qui est caché. Kasi e bombami. Écoutez les prophètes. La fête des trompettes. Tekena kelelo. Prêché le 19 juillet 64. Le prophète dit ceci. Quoi va être révélé à l'épouse? Ma bombe mignon sur ma single cosy pour les. La fête des trompettes est prêchée le 19 juillet 64. Moi je suis au paragraphe 128. Est-ce que quelqu'un a une Bible? Version révisée, traduction anglaise de la Bible de 1884. Il dit si oui. Vous remarquerez là qu'à l'endroit où il est dit l'ange, entre parenthèses, il est dit l'aigle. Voyez, voyez. Et il a dit que c'est en ces jours-là, quand il l'a vu descendre, et il y avait, il posa un pied sur la terre et un pied sur la mer et jura par celui qui vit au siècle des siècles, il n'y aurait plus de temps. Sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean a dit qu'il allait écrire. Il l'a scellé. Suivez les prophètes. Maintenant, quelqu'un dira, eh bien, c'est cette sceau. Alors frère Branham, c'est cette chose qui va être révélée dans les derniers jours. Ce sera un grand mystère pour nous montrer comment nous rapprocher de Dieu. Frère Branham commence par dire, non monsieur, impossible. Quiconque retranchera une seule parole de cette Bible ou y ajoutera une seule parole, sa parole sera retranchée. C'est une révélation de ce qui a été au être apporté. Yangonde ba côté ya sikawa. C'est à l'intérieur ici. C'est de révéler ce qui est déjà écrit. C'est vérité mystère. C'est de révéler ce qui est déjà écrit. C'est la meilleure. Voyez. En effet, vous ne pouvez pas y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher une seule parole. Alléluia. Ce que vous comprenez, mes frères, que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne s'en souvient tout simplement pas. Alléluia. Amen.
dans le procès. Au paragraphe 80. Pour les Juifs, il était le fils de David. Pour les Grecs, il était le Seigneur. Pour nous, il est Seigneur. Pour les gentils. Et maintenant, dans les derniers jours, il revient une fois de plus comme fils de l'homme. Car Malachi nous a promis qu'un prophète serait ressuscité dans les derniers jours. Qu'il ramènerait le cœur des gens. Hein, les éloignera de ces organisations. Il les ramènera là. Les œuvres qu'il a faites. Apocalypse 10 a promis les mystères entiers. Comment allez-vous révéler les mystères? Voir ce que Luther a laissé. Voir ce que Wesley a laissé. Voir ce que la Pentecôte a laissé. Et aussi, nous cherchons la parole rendue manifeste. Il les accomplit exactement comme il l'avait dit. Je pourrais dire davantage, mais nous laisserons ce sujet de côté. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'essayais de faire? Je commençais par vous lire la convocation du Seigneur Jésus. C'est celui qui a soif. Ils viennent. Il nous dit qu'il n'y a rien qui soit nouveau. Vous et moi, nous sommes aussi en train d'adorer. Septième âge de l'église. Dieu qui est riche en miséricorde, qui ne fait exception de personne, c'est l'ange de l'alliance. Il descend avec un livre et il fait exactement de les manger. Cette petite il ne s'agit pas de garder les livres d'âme. C'est l'écriture qui dit. Il est doux. Mais ça ne doit pas se limiter à la vallée. Et quand il est amer dans les entrailles, maintenant ça devient votre tour de prophétiser. Dit, ce que l'église avait à la Pentecôte, c'est son droit inaliénable. Pentecôte. Elle avait la pure parole. La puissance qui se manifestait par les signes, par les prodiges et par les miracles. Le retour à la foi des pères, ce
également la préparation des œuvres de puissance dans l'église. Et ça lui peut monter sa mère, ma cambaya nguya kat ne kelezia. Et je me rappelle. Na kokaniselo komoko. À Maloukoula. Kuna na Maloukou. Il y avait une femme. Et ça qui na moi si moko. Ligne de prière. Mais elle était atteinte de sida. Quand on a prié pour elle, elle est rentrée. Elle est allée se faire examiner. Elle a réalisé qu'elle n'a plus les sida. Vous n'avez pas encore tout entendu. Son mari. Dans la maison. Yenda yakina bokono ya sida na ndako. Elle a appelé son mari. Makambwe ko salema. Son mari est venu. Mobali na ye aye. Mais il le mardi de l'autre semaine là. Mokolami pale ya poso ya landaki sima na milulu. Il est passé à notre petite assemblée de Maloukou. Je n'ai pas l'ambition d'avoir des églises. Ils ont trouvé un des ministres qu'on avait envoyé là-bas. Les maris, c'est un lieutenant. Il dit, mais ma femme, elle n'a plus les sida. On va faire comment? Pourquoi ça l'endengue? Et les serviteurs qui étaient là, il lui a fixé rendez-vous le dimanche passé. Le sida est parti. Elle s'est fait examiner, elle n'a plus de sida. Maintenant son mari est rentré. Il dit, moi vous faites comment avec moi? Il est parti après se faire examiner. Le sida est parti. Mardi passé. Avec joie. En train de promettre des choses. Apostolique, ce n'est pas seulement la parole. Ne gardons pas les livres dans la bouche. Le livre doit être avalé. Devient notre tour de prophétiser. C'est ça la sainte convocation du dernier jour de la fête. Avalez-le. Vous devenez vous-même les livres. C'est à vous maintenant de manifester les œuvres. Frère Branham dit, ce privilège n'est pas réservé aux messagers prophètes. Le prophète dit, la manière que Dieu utilise un messager prophète dans un âge donné. Cela est un exemple de la manière qu'il peut vous bénir. Nous ne deviendrons pas les messagers de l'âge. Mais nous avons le droit même source et de boire. Alléluia. Amen. Soukayanteke.
C'est ça la convocation du dernier jour de la fête. Si vous croyez en moi, si quelqu'un veut, si quelqu'un a soif, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Avale-le. Mela yango. Dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Na monoko kozale lengelo kola mafuta na nzoi. Mais dans tes entrailles. Kasikat na mitchopo na yo. Rempli d'amertume. Bololo. Ensuite, pesima na yango. Il te faut prophétiser. Ekosenga. Alléluia. Amen. Frère Branham nous a dit. Ndeko Branham yebisi biso. Dieu n'est pas créer un groupe pour pousser les gens à me suivre. Mais Dieu m'a envoyé les construire, les amener à un niveau de. Ne perdons pas la vision de ces messages. Sinon, devenons des témoins de Jéhovah. Ou convertissons nos églises en universités. Mettons-y des grands tableaux. Non, mes bien-aimés, ce message, il nous appelle à une expérience avec le Maître. Alléluia. Le croyant de ce message, ça ne devrait pas être des gens ordinaires. Ouh. Alléluia. Le croyant de ce message, c'est des hommes extraordinaires qui entrent en conférence avec Dieu, qui traitent avec lui. Alléluia. C'est que demain, tout le monde se réveille. Il va au marché, au Zando, pour ouvrir leur magasin. Mais on voit un frère, lui, il ne vient pas. Il ne vient pas. Pourquoi il n'est pas venu? Il a traité directement avec le maître. Qui lui a dit à 10h. Demain là-bas, il va se déclencher un mouvement. Il va se déclencher un mouvement. Les gens vont perdre la vie là-bas. Toi n'y vas pas. Tu restes chez lui. C'est dans cette intimité que nous devons être avec le Seigneur. Écoutez mes bien-aimés. Qui croit que le Seigneur Jésus vient chercher son épouse? Frère Branham dit, ça sera comme Roméo et Juliette. Vous connaissez l'affaire de Titanic? Roméo, quand il est venu pour chercher Juliette, et il est venu nuitamment. Il a mis l'échelle. Il est allé juste où était Juliette. Ils sont partis. C'est comme ça que Jésus vient chercher son épouse. Il n'y aura pas de surprise. Vous ne partirez avec lui. Oui.
que si vous avez l'habitude déjà de traiter avec lui, il doit y avoir une intimité entre vous et lui. Je ne dis pas une affaire de la cité du grand roi. Non. Je dis une affaire individuelle. Traiter avec lui de sorte que tout le monde peut être assis ici. Il vient, il vous chuchote quelque chose. Okay. Mais bien aimé, c'est à ce niveau là que nous sommes censés être dans notre relation avec le roi. Le livre n'est pas gardé dans la bouche. Une relation personnelle, intime, avec le Seigneur. Excusez-moi, bien-aimé. L'union de l'époux et de l'épouse, c'est maintenant. Là-bas, nous irons aux noces. Vous irez aux noces avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas unis. Vous irez aux noces avec quelqu'un avec qui vous ne vous êtes pas unis. L'union, c'est maintenant. L'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, ça se fait maintenant. Maintenant, là nous partirons aux noces. Si vous n'êtes pas unis maintenant, il n'y a pas de possibilité pour aller là-bas. Et vous savez, mes bien-aimés, vous pouvez les voir dans les naturels. Qui ici se fréquente et sont sur le point de se marier? Est-ce qu'il y a deux qui peuvent être courageux, qui se manifestent un peu? Qui se fréquente? Manifestez-vous, vous? Qui se fréquente? Ah, il n'y a personne qui se fréquente ici, mais je vois tout le temps des mariages ici. Ah, et la sœur est où? Elle n'est pas là. Non, moi, je vais les deux qui sont là. Donc, qui se fréquentent, mais qui pourront se marier même plus tard. Je ne dis pas. Oh, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Oh là 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 là. Qui venait de se marier? J'ai vu un mariage dernièrement, quelqu'un qui a dit, il a l'âge dont parlent les prophètes. Où est votre épouse? Ah, elle est là. Ah, vous vous fréquentez? Ah, elle est où? Mettez-vous debout, vous réunissez le courage. Vous voyez, mes bien-aimés, ce n'est pas pour blaguer. Je veux juste que vous compreniez quelque chose. Comme vous voyez les frères là, avec la sœur là, il y a des choses qu'il ne dira pas à tout le monde. Le frère, il a des choses qu'il ne dira pas à tout le monde, mais qu'il ne dira qu'à celle-là. Je veux que vous me suivez très bien. Entre les deux, il y a une certaine vibration qui n'est pas entre tous les autres. Entre l'épouse céleste et l'épouse terrestre, c'est cela multiplié par mille fois. N'oubliez pas,
Le prophète a fait des déclarations graves. Il dit s'il y en a 12 dans cette génération qui partent, je serai surpris. J'invoque ceci pour que vous, individuellement, vous essayez de voir comment vous traitez avec le maître. Alléluia. Comment vous traitez avec le maître? Comment vous traitez avec le maître? Au point où nous sommes arrivés, mes bien-aimés, nous devons être sérieux avec ces messages. Alléluia. La plus grande initiation mystique qu'il y a, c'est ces messages. Alléluia. 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 S'il y a une chose qui couvre des puissances, alléluia, c'est ce message. S'il y a quelque chose qui donne l'autorité, qui donne la domination, c'est ce message. Nous devons être sérieux. Au point où nous en sommes arrivés, nous devrions être comme Enoch. Vous savez comment Enoch qui est parti dans son âge, la Bible rend témoignage. Il a tellement marché près de Dieu. Un jour il marchait, il est monté. Alléluia. Moi je continue à croire qu'il y a un ciel littéral, il y a un Jésus littéral. Pour ce moment-là, c'est la petite sainte convocation que j'avais pour ces derniers jours de la fête. Négophétiser. Le prophète dit Jean, on dit mange les livres. Mangeons ce message pour que nous et ce message devenions un. Ce message est l'unique solution au problème du monde. Si ce message est la solution au problème du monde, alléluia. Si quittons les blagues, Jésus viendra chercher une épouse avec qui il traite. Yes. Alléluia. Ce ne sont pas nos assemblées. C'est des individus ça et là. Ça et là qui sont entrés avec lui dans ce genre de relations. C'est pour ces gens-là qu'il vient. Je vous invite, mes bien-aimés, pendant que nous nous mettons debout, à prendre cette grande résolution dans votre cœur. Au moins, il m'arrive de regarder et de poser des questions un peu sur les anciens qui nous ont précédés. Quand on voit ce qu'ils deviennent par moments, certains d'entre eux, je me pose la question. Si ces gens qu'on pensait spirituels, ils se retrouvent là. Et s'il me faut moi ne pas me retrouver là, il me faut quelque chose de plus que lui. Il me faut quelque chose de plus que lui. Mes bien-aimés, les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Alléluia. Il n'y a pas de limite à
lors de sa première venue. En secret, ce n'était pas tout le monde. C'était des bergers là qui est allé voir. C'était Anne qui traitait avec lui, qui est allé voir. C'était Siméon qui avait déjà une expérience personnelle. Il ne partirait pas sans l'avoir vu, qui a vu sa venue. Mais bien aimé, il est plus tard que nous ne pensons. La sainte convocation du dernier jour de la fête. Prends les livres. Kamata mokanda. Mange-le. Pelia yango. Avale-le. Mela yango kitana mitchoko. Ensuite prophétise. Pesima na yango sakola. Si le livre touche tes entrailles, poko sakola. Avec nos têtes y a-t-il quelqu'un qui réalise ici qui n'a fait que pratiquer la religion mais pour ce qui est de connaître Jésus Christ dans sa bien de cela qui est disposé à les connaître un jour, un homme est entré avec sa famille dans un restaurant. Il devait continuer son voyage. Mais quelque temps après être sorti du restaurant, il a connu un accident. Le prophète pose cette question. Pouvait-il s'imaginer que quelques instants après être sorti de ce restaurant, il ne serait plus compté parmi les vivants? Pensez-vous que ceux qui nous précèdent programment tout à l'avance et savent qu'ils vous savez qu'un jour vous écouterez un sermon pour la dernière fois? Savez-vous qu'il y aura une dernière fois pour vous de dire bonjour à votre frère? Il y aura une dernière fois de quitter votre maison et vous n'y rentrerez plus. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne quittez pas ces lieux sans vous réconcilier avec le Seigneur. Je
Ne quittez pas ces lieux sans sentir que vous êtes réellement en paix avec lui. Pendant que ce cantique joue, que chacun parle au Seigneur. Dieu a pour il frappait à la porte de votre cœur. Entre moi. Aie pitié de moi. Parlez au Seigneur. Parle-moi Seigneur, oh Jésus, parle-moi Seigneur, oh Jésus, parle-moi. Chaque jour que tu es né par la force. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Alléluia. Toujours chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, oh Jésus. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, Jésus, conduis-moi. Remplis-moi, Seigneur, toi, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, Seigneur, toi, Jésus. Jésus, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Chaque jour, Seigneur, oh Jésus, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Chaque jour, force du Saint-Esprit, brise-moi, oh Jésus, brise-moi. Maintenant que vous êtes debout, quand vous êtes debout, quand vous êtes debout, quand vous êtes debout, je me suis senti conduit à donner cette. Que ici nous sommes dans la location. D'ailleurs, je savais que tous les hommes d'affaires me rencontrent.
Chaque homme et femme d'affaires qui passe sur la mambongo, bâton sur la misala, bakutana. Mais voici la requête. Il y a un endroit meilleur que nous avons vu pour acheter. Et Zalina ici, comme à l'amour, au tomoni pour la consomba. Parlons au Seigneur. Tolo banankolo. Que personne d'autre n'aille prendre cet endroit-là. Motomosusu akendekoti a mis son esika wanate. Car nous devons prendre ça. Pouete piso et sengeli to kamata yango. C'est un endroit vraiment très vaste, plus que cette parcelle où nous sommes. Ezali esika etanami monene koleka lopango yo tozali. C'est pratiquement une concession. Ezali toloba lisanga na mapango. Et à un meilleur endroit. Pe esika malamu makasi. Toujours dans cette commune de Limete. Kaka na etuka oyo ya Limete. Comme vous avez mangé les livres. Lokola olei moko. Et que vous et les livres vous êtes un. Lokola yona moko bokomi loko moko. Ce que Dieu a fait avec les messagers. Oyo tsamba sala na mwezi sango. Il l'a fait avec vous. Azo sala yango pe loko na yo. Que le même Dieu qui avait donné au docteur Samader cette concession là. Tsambe moko epesaki na Samader lisanga na mapangu wana. Donne cet endroit là. Apesa biso pe sika wana. L'église a prié pour cet autre plat qui était sidatique. Dieu a exaucé le sida est parti. L'église a semé le pot à mon balai avec une sida. Zamba ya noli sida. Parmi nous aussi. L'homme a yépé. On veut revenir avec le témoignage du troisième anniversaire. Donc on a monté le tour de la mi balai à mon balai avec moi. C'est notre concession là. Donc tu as bien sika wana. Un endroit où tailler les arbres. Et sika oh yoga kabani c'est des alis. Là où nous pouvons facilement tailler. Et si on colonne un miloko, et il gagne des armes. Mais toi, tu colonnes un miloko kuna. Vous avez déjà mangé les livres. Aussi, on lit beaucoup. Et vous êtes devenu un avec ces livres-là. Au comi et l'ongona beaucoup wana. Très profond. C'est très profond. C'est très profond. C'est reconnaissez qui vous êtes. Parlez. Notre naïve ça doit devenir notre endroit. N'est-il pas écrit? Thank you.
des armées. Il nous est rapporté que tu avais besoin pour lui être appelé Jéhovah, Dieu qui pouvait avoir une famille. Seigneur Jésus, dans ton esprit, enseigné en ton nom. Il est écrit dans la Bible sur les peuples sur qui est invoqué mon nom s'assemble et prie. Moi, je l'exaucerai au-dessus des cieux. Seigneur notre Dieu, nous ne nous sommes pas rassemblés autour d'un homme, mais nous sommes